demande ce qui pouvait faire cette lumière. Qu'est-ce qui se passe? Une attaque d'oursin barracuda? Miaoucha, qu'est-ce que tu as? Cette lumière est magnifique! Mais d'où vient-elle? Capitano! Ananas Wilson! Réveillez-vous! Mais pourquoi? C'est la nuit! Je sais, mais regarde autour de toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle a disparu? Je ne sais pas. Je me demande ce qui pouvait faire cette lumière. Et si elle était produite par une anguille électrique? Oh, ça voudrait dire que la bestiole est gigantesque! Le meilleur moyen de le savoir, c'est de plonger. Tu viens avec moi, Capitano, hein? Bien sûr, Pirata. Eh oui. C'est bizarre, aucune trace de cette lumière. Descendons les amis, peut-être que la lumière s'est cachée dans cette faille. Mais c'est beaucoup trop profond et puis peut-être qu'il y a des monstres bizarres tout en bas. Mais non, ne sois pas bête. Allez, venez. Ouais. Oh. Bon bah, c'est bon maintenant, hein. On a bien vu qu'il n'y avait rien, on peut remonter. T'as raison, il n'y a rien ici. C'est comme si cette lumière s'était volatilisée. Qu'est-ce que ça pouvait être? J'en sais rien, mais il faut qu'on découvre quel est ce mystère. Allons sur l'île de Barracuda. Omar le Bleu pourra certainement nous renseigner. La lumière de l'océan, c'était les poissons ayant oublié d'éteindre leur veilleuse. C'est pas une blague, Dodo le Dur, on l'a tous vu de nos propres yeux. Non, je sais, c'était un crabe qui a ouvert son réfrigérateur. À moins que ce soit une pieuvre qui allait aux toilettes avec sa lampe de poche. Arrête de te moquer de nous, Dodo le Dur. Laisse parler Omar le Bleu. Alors, ça ne te dit vraiment rien? Ça me rappelle l'histoire de Polo Bellamy. Polo Bellamy? Oui, c'était un moussaillon qui affirmait avoir vu ce genre de lumière. Mais comme il était le seul, tout le monde l'a jugé complètement zinzin. Ben ouais, comme Pirata, la pirate doudouche zinzin. Je sais ce qu'on a vu. Continue ton histoire, Omar le Bleu. Le capitaine de Polo Bellamy, le terrible moustache noire, l'avait alors renvoyé de son navire. Depuis, il vit reclus sur l'île du Serpent Boiteux, où jamais personne n'est allé. Allez savoir ce qu'il est devenu seul sur cette île. Sûrement encore plus zinzin qu'avant. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Nous allons retrouver Polo Bellamy et tu regretteras de nous avoir traité de zinzin. Non mais... Ouais, bien dit. Levez l'ancre! C'est parti! Déployez la grand-voile! Ancre levée! Grand-voile déployée! En route pour l'aventure! Vous ne devriez pas mettre un seul doigt de pied sur cette île. C'est vrai que cette île n'est pas franchement accueillante. On dirait bien que Polo Bellamy ne veut pas être dérangé. Mais il faut qu'on le trouve. Et toi, Wibou, tu vas assurer nos arrières.
Ah, des ordres, capitaine. Et qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée. Encore des apprentis pirates qui viennent me traiter de zinzin. Tu te trompes, Polo Bel Ami. Nous ne voulons pas nous moquer de toi. Et nous ne sommes pas des apprentis pirates, car nous avions prévu que tu nous ferais tomber dans un piège. Lâche-moi, bougre des mollusques. Calme-toi, voyons. Nous aussi, nous l'avons vu, la lumière de l'océan. Oh, vraiment? Oh, ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Non, vite, compagnon, sortez de là, je vais tout vous raconter. J'étais le moussaillon de moustache noire, un pirate très avare. Lorsque j'ai vu la lumière, je l'ai réveillé pour le prévenir. Mais bizarrement, il s'est énervé et m'a banni du navire en m'accusant d'être zinzin. Si tu es zinzin, alors nous le sommes aussi. Ou bien cette lumière existe vraiment et ce sont les autres qui sont zinzins de ne pas y croire. Alors vous allez m'aider à le prouver? Top là. Voici l'endroit où nous avons aperçu la lumière de l'océan. Arrête, miaoucha d'amour. Et voici l'endroit où moi je l'ai vu pour la dernière fois. C'est donc entre ces deux points qu'il faut chercher. Malheureusement, cette zone est trop grande pour être sillonnée en une seule nuit avec un bateau. Avec un bateau peut-être, mais pas avec un hydravion, n'est-ce pas, Capitano? Tu n'as plus à t'inquiéter, Polo Bel Ami. Nous allons retrouver la lumière de l'océan. Oh. Moi aussi, Ananas Wilson, je ne vois que du noir sur le grand océan. Mais ouvrons l'œil. Oh là 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 là. Pourvu que tes amis retrouvent la lumière, ou nous serons tous pris pour des zinzins et pour de bon. Aie confiance, Polo Bel Ami. Capitano et Ananas la trouveront, j'en suis sûre. Pirata, tu me reçois? Je t'écoute, Capitano. Ça y est, on a retrouvé la lumière du grand océan. À 45 degrés nord, 27 degrés est. Bravo! J'aime ça! Oh non, ta perle hippopète! Elle disparaît! Dépêchez-vous de me rejoindre! Je reste sur zone! Dépêchons-nous! Turbine à fond! Toute voile dehors, les pirates étoiles! Ton crâne rose est un excellent bateau! J'aurais aimé naviguer sous les ordres d'un capitaine comme toi! Merci, Polo Bel Ami! Mais c'est la faille que nous avons explorée tout à l'heure. Oui, on n'a pas dû assez bien chercher. Allez, on y va. Oh, cette lumière joue à cache-cache avec nous, quoi. Oh, il y a une lumière ici. Oh, un banc de poissons lumineux. C'était donc ça le mystère. Venez voir. Les amis, je crois bien que nos mystérieux poissons viennent de nous faire découvrir un trésor. Sans la lumière de ces poissons, personne n'aurait pu trouver cette grotte. Mais qui donc a pu y cacher son coffre alors? Oh, je sais, Moustache Noire, c'est son trésor. Comment le sais-tu? Je reconnais la coupe dans laquelle il buvait tout le temps. Si c'est vrai, cela veut dire que Moustache Noire savait que la lumière de l'océan existait. Mais comme il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse trouver la cachette de son trésor... Il a fait croire que j'étais un vin pour garder son secret. Oui, mais maintenant nous pouvons prouver à tous les pirates du grand océan que tu disais vrai. Alors allez, où votre lumière, les zinzins? À
Patience, Dodo le dur. La lumière existe et nous allons te le prouver. Si elle n'apparaît pas, tout le monde va continuer à se moquer de nous. Pirata, regardez derrière vous, les amis. La lumière est là. Oh, que c'est beau. Polo, bel ami, je te présente nos excuses. Personne n'aurait dû te traiter de zinzin et mettre ta parole en doute. C'était nous, les zinzins, de ne pas te croire. Oh, merci, Pirata. Merci, les amis. C'est le plus beau jour de ma vie. Et alors, Dodo le dur, de nous deux, qui est le plus zinzin, hein? Dodo! Zinzin, Dodo! Ah, mais la ferme claque! Avancez. Nous partons en chantant, y a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur. Levez l'ancre ici haut.